Voici Tanguy Passio. C'est pas si bien que ça la vie, hein. On s'y accroche parce que la mort c'est pire, mais c'est tout. Voilà, bonne journée. Non, à bientôt, mais déjà merci. On s'ennuie, toutes les années se ressemblent, on fait tout dans le même ordre. Il y a Noël, puis Pâques, puis Roland Garros, que les joueurs de tennis français appellent notre Saint-Barthélemy. Puis l'été, on se roule des pelles en disant finito le Covid, puis la 19e vague de Covid, puis Noël et ainsi de suite. Et on se voit vieillir les uns les autres. Je me souviens, il y a 5 ans, quand je suis arrivé ici, on était tous frais, conquérants Marsan. Maintenant, on ressemble à des tas de foin. Même moi, je sais que vous dites c'est fou, mais quel chaque jour et arrive à se renouveler. Mais quel génie. Oui. Mais c'est juste que je suis habile. Je vous entourloupe, tel un juif du sentier en 84 quand vous cherchiez une doudoune Chevignon et que vous repartiez avec une doudoune Chavignon. 14 francs à la place du canard, il y avait un chat. Deux jours plus tard, vous entendiez miaou, vous l'ouvriez avec un cutter dans la doublure, il y avait 5 chatons encore vivants. C'était fabriqué trop vite. Ah, vous disiez, c'est ça les griffures que j'ai dans le dos, dire que ma femme m'a accusé de faire du BDSM sans elle. J'ai un ami qui un jour a retrouvé dans sa doudoune Kim, un enfant philippin de 8 ans, tombé de la chaîne de production. Il l'a adopté, mais à sa majorité, le gosse a voulu repartir d'où il venait. Seulement, il rentrait plus dans la doudoune. Hein, il a fini sa vie dans une parka en XXL. Bon, tout ça pour vous dire que je vous arnaque, parce que moi aussi, je fais les mêmes chroniques d'une année sur l'autre. Par exemple, le classement des stars préférées des 7-14 ans du journal de Mickey. Allez. Chaque année, je le fais. Nagui, je vous ai connu 18e, puis 25e, 34e, et cette année, out. Vous avez disparu. Oui, le 7-14 ne vous aime plus. Je me suis fait Mickey. Il faut le reconquérir. Ma suggestion, faites la sortie des école. Pas avec des bonbons, c'est trop connoté. Prenez des andouillettes, de grosses andouillettes. Agitez-les devant une école du 11e arrondissement, Taubira Land. 80% des gosses ont des parents vegan. À la vue de votre andouillette, ils vont ramper vers vous comme des zombies en bidoche. Mais Nagui, ne soyez pas triste. J'ai quitté l'émission. Voilà. Ne soyez pas triste, à part Nikos qui est 41e sur 43, toutes les stars de la télé sont sorties du classement. Il n'y a plus que des rappeurs et des footeux. Dire que ses enfants, dans 4 ans, pour certains, votent, hein, ça fait peur. Écoutez plutôt numéro 43, Ayana Kamura, 42 Weshden, 40 Jul, en 38 on a Jennifer, en comparaison on a l'impression que c'est le prix Goncourt. Le 7-14 ans est une merde, vive la contraception. Auditeur vierge qui m'écoutait, ne faites pas l'amour, ou alors protégez-vous au maximum, pilule, plus préservatif, plus slip chauffant, plus émasculation, plus chanson de Stromae sur la fin de vie. Vos spermatozoïdes iront se cracher sur l'ovule afin de se suicider en criant Allah Akbar si vous avez fait l'amour à un djihadiste. Oui, pensez contraception, parce que vous faites un bébé tout mignon qui fait heureux. Un jour vous chialez de bonheur en disant il a dit papa, alors qu'en fait le gosse a fait bleu bleu parce qu'il a vomi, hein. Et bon, et 10 ans plus tard, ce petit pourri vous révèle qu'il est fan de McFly et Carlito, entré directement 14e du classement. Et vous pouvez pas vous en séparer, dans la parka vous avez déjà foutu votre enfant philippin, il n'y a plus de place. Vous imaginez Lila Kadourboudadi, oh, qui a lu tout Kant, connaît la fiche technique de 80% des films. Elle peut dire sur le dernier Frère d'Ardenne, la stagiaire de 3e s'appelait Léonie Dupont. Et pour elle, Vivaldi c'est de la variété, et dont la fille en 2030 va lui dire maman, je kiffe trop Weshden, hein, j'ai adoré son 7e album intitulé J'ai pas allé à l'école, mais elle va être désespérée. Alors bien sûr, j'exagère. Les 7-14 ans, oui, les 7-14 ans aussi plébiscité des artistes à texte. Numéro 36, on a Amel Bent, voilà. Okay. 34, Vita. Alors juste avant de choisir son pseudo, elle avait mangé au-dessus de son ordi une tartine de miel, donc la lettre A collait. Hein, ça a fait la même chose à MC Solar et au AA, alcoolique anonyme. Hein, au départ, il voulait appeler ça Happy JL, hein, amical des personnes comme Jean Lassalle. Vianney, 29e, perd 16 places. Alors on ne sait pas pourquoi, il a dû faire un truc qui a déplu aux enfants. Il a peut-être écrasé un pépito, ou a été filmé en train de dire du bien de Marc Dutroux. Et là, vous vous dites, oui, on est dans les profondeurs du classement. Ça revient à aborder la présidentielle par le prisme de la candidature d'Anne Hidalgo. Qui est premier? Eh bien, foule impatiente, il s'agit de Soprano, le rappeur. Wow. La seule personne à porter des chapeaux et à ne pas être ménopausée depuis 50 ans. Ce que les autres, c'est Geneviève de Fontenay et Elisabeth II. Alors, il était déjà numéro 1 l'an dernier. En numéro 2, entrée directement tout là-haut, c'est Michou. Alors non, auditeur d'Inter, oui, on n'a pas ressorti du terreau le monsieur de Montmartre qui a lancé dans sa carrière 3000 Dalida poilu. Non, c'est un autre Michou, un youtubeur, et c'est le premier youtubeur à figurer dans le classement Mickey. Alors il a 20 ans, il est né dans la Somme, dans une commune qui s'appelle Albert. Ouais, je sais, c'est bizarre, hein, à l'école on a dû lui dire 100 fois, mais enfin petit con, à la ligne ville de naissance, t'as mis le prénom de ton père. Il répondait, non, Albert c'est ma ville de naissance. Ce prof disait, c'est ça, moi je suis né à Huguette, enfin il s'en sortait pas, hein, donc il a arrêté l'école, comme tous les youtubeurs. Enfin, le 7-14 ans adore le foot c'est son truc. Kylian Mbappé est 3e, Hugo Lloris 5e, Griezmann 8e et Didier Deschamps
35e, hein, le sélectionneur, c'est comme le batteur dans le monde du rock, c'est celui dont les gens n'ont rien à foutre et qui tient la chandelle pendant la partie fine. Bref, Nagui, vous avez compris ce qu'il faut faire à la télé, je veux dire, c'est fini, je veux vous voir en crampon, en short, avec un maillot à sponsor, le Gaulois, pour faire plaisir à Éric Zemmour. L'an prochain, je veux vous voir de retour dans le classement du journal de Mickey. Ça sera pas possible. Je vais consoler Nagui. Avec une petite citation de Cocteau. Ce ne sont pas les premières places qui sont intéressantes, celles qui m'intéressent, ce sont les places à part. Oh joli. Oh joli. Céline Dion a dit les derniers sont les premiers. Si on va faire un petit combat, chacun sa rêve. Voilà.